Salut à tous, c'est Arka. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais essayer un peu de long. De Horizon. Est-ce que c'est le bon côté? Oui, c'est le bon côté. Je me demandais si on se perdait, mais non, on se perd pas. Moi, pas encore. Un arc de bonne qualité. Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça, on l'a déjà. On a pas mal de fric, hein. On a pas mal d'argent, quoi. De minerai. Oh, on a pas mal de santé aussi, hein. Donc, on y est. Alors, aujourd'hui on va faire une quête principale, je suppose que vous attendez tous. Tous une quête principale. Ah oui. Ah ok. Et bam. Non ta gueule. Voilà. Ça, je le prends. C'est très important de sauvegarder dans ce jeu, donc je vais sauvegarder. A priori dans un feu de camp. Bah y'a un feu de camp là. Par des 29. Sauvegarde rapide. Donc on a 27 minutes de jeu. 27, ouais, c'est pas mal. C'est bon. Ok, c'est là. Ah là, mon dieu. Bon. C'est loin d'aller à la ville de Méridien. C'est à l'autre bout. Ouais, on peut faire ça. On peut faire ça. Bon. Bien sûr aussi je ferai une setup sur ma chaîne. Mais je vous ai montré une partie du setup. Et même si elle n'est pas encore publiée, je vais la mettre publique plus tard. Dès que j'aurai fait ma vraie setup de ma chaîne. Et de tout, tout, tout. On va tout montrer. Bon, par contre, le temps de chargement pour l'autre bout, c'est ultra long. J'espère qu'ils vont corriger ça. C'est pas demain la veille. Hein. C'est pas grave. Voilà. Alors, c'est passé quand même deux minutes. Quand même, c'est une minute. Une, deux minutes. Alors. Il y a une zone corrompue. Hein, je vais le faire plus tard. Bon. Bah on va faire tout ça à pied. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Attends, ça va être long. Ça va être long, long, long. Mais pas de... Si, il y a des... Il y a des montures là-bas. Quand il y en a, il y en a. Ouais, là-bas il y a une grosse monture aussi, mais on peut pas la monter celle-là. Une prochaine fois on la adoptera, mais on pourra pas monter. Bon, ce que je sens dans ce jeu,
Ce qui est chiant dans ce jeu, c'est qu'on peut pas monter sur n'importe où. Faut des rangs, des trucs pour quand on s'accroche. Oh, très utile. Là, il y a des trucs pour monter. Oh, il y en a deux. Oh. Je pensais qu'il y en a beaucoup plus que ça. Où ils sont tous partis? Bon, bah, bien qu'il y en a deux, mais bon, je pensais qu'il y en avait beaucoup plus que ça, quoi. Bon. Ah bon. C'est pas grave, les amis. Donc, on va éviter cette chose. On va éviter cette grosse chose là, qui peut nous tuer, hein. Qu'est-ce que c'est? C'est pas méchant. C'est comme le oiseau tempête, c'est il terrestre, donc il vole pas, lui. Donc je peux te dire que ça va faire mal si je l'affronte. Je sais pas si j'en sortirai vainqueur, mais je dis pas aussi que je le pirerai, quoi. Une bête très grosse, elle est très résistante. Elle a des canons de tir, pourtant j'ai pas affronté de. Enfin je sais affronter des Nancy, mais ils sont très forts aussi. Donc où est le genre, quoi. Il me faut l'armure aussi. Il me faut l'armure pour que je sois protégé comme ça. Par contre, c'est sombre. Je vois rien du tout. C'est fait exprès ou c'est comment là? Oh my god. Fait nuit, je sais, mais c'est sombre. Bon, là, on peut pas passer le cheval. Après, bon, pas grave, on va continuer à pied. J'aime bien la pied. Bon, moi ça me dérange pas. Hein. Je sais plus combien on est là. Bon, pas grave. Comme épisode, c'est pas votre souci. C'est pas votre souci de regarder la vidéo. De savoir quelle vidéo vous regardez. Je pense que c'est l'épisode de. Pauline est à l'intérieur, quelque part. Oui, je sais pas. Bon, on va voir. Je vais voir. La veille de l'éclosion. Eren a dit qu'il me présenterait sa sœur si jamais je passais par Méridian. C'est la capitaine de l'avant-garde. Allez, mets-toi plus. Ah merde. Arrête de. Ah, c'était juste pour être plus fort, le jeu. Ne bougez plus. Suite à la récente attaque, aucun étranger ne peut être dans Méridian sans une fouille complète. La récente attaque? Mais de quoi tu parles? Du meurtre de la capitaine Ersa et ses avant-gardes, bien sûr. Abattu par les cas. La sœur d'Eren a été tuée? Parce que toi, tu connais Eren? Oui, je le connais. Ça m'étonnerait qu'Eren, le nouveau capitaine de l'avant-garde, un homme en deuil, ait du temps à perdre avec une étrangère furieuse. À l'œil, t'es vivante. Je te croyais morte. Laissez-la, allez. T'es venu à Méridian, rien que pour me voir. Tu bois ces temps-ci? Bah, pas vraiment. Un peu. Mais t'es en vie, c'est. On doit fêter ça, c'est ma tournée. Il faut qu'on parle, seul. Et il faut que tu te reprennes. Par là. Alors vous êtes trouvé. Bien sûr que je la trouve. Cette femme peut désormais entrer et sortir de la ville comme elle l'entend. Ah, vous êtes. Oui. Voilà, seul comme tu voulais. Qu'est-ce que t'as à me dire? Il s'est passé plein de choses depuis qu'on s'est vu. Pendant l'éclosion, un groupe de tueurs nous a attaqués. Ils nous ont massacrés. On était au village. J'ai entendu des explosions dans la montagne. Plusieurs de vos braves sont arrivés. Ils ont dit que des candidats étaient morts. J'avais jamais entendu des cris aussi désespérés que ceux de ta tribu. Comment t'as survécu? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que c'était moi la cible. La cible? Je comprends pas. C'est moi que les tueurs voulaient, à cause d'Olin. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est ridicule. Il faut que je trouve Olin. Je dois savoir ce qu'il sait. Mais c'est un allié. Non, c'est un traître.
Je ne sais pas qui sont ces tueurs ni ce qu'ils veulent, mais je suis sûre Colin les a aidés. Mais... je... c'est... Je te demande pas de comprendre, Eren. Je te demande de m'amener à lui. Il est pas là. Il est parti chercher de la ferraille et des artefacts il y a quelques jours, je sais pas où. Tu connais des endroits qu'il fréquente, ses lieux préférés? Une maison, à Méridian. Ok, alors montre-moi. Il faut que je la fouille. Bon, soit. Mais je préfère te surveiller pendant que tu fouilles. J'ai appris pour Ersa. Je suis désolée. Je sais qu'elle comptait pour toi. Qu'elle comptait? Elle comptait pour tout le monde. Elle savait toujours quoi faire. Elle donnait des ordres. Je suis les droits. Et je suis censé la remplacer. Mais j'y arrive pas. Elle est irremplaçable. Arrête. Non. Bon, allez. Alors reprends-toi un peu et essaie de suivre son exemple. Merci pour le soutien psychologique. Ça arrive à tout le monde de perdre quelqu'un. Pleurer n'y changera rien. T'en fais pas. Je risque plus de pleurer après ça. Il faut que j'aille chez Olin. Vite. D'accord. Suis-moi. Ok. Tous ces gens partout qui parlent en même temps. Comment vous faites pour réfléchir? Je réfléchis pas. Je bois. Ouais, les océans, ils boivent tout le temps. C'est sûr. Après, il va le dire. Je suis là pour sauver le monde. Alors. Attends, toi, je t'ai vu. T'as quelque chose à me donner. À me dépenser mon fric. Ouh, shit. Oh my god. Je le veux. Mais je le veux. Absolument, je veux. Allez, donne-moi ça. Ouais, j'ai un nouvel arc. Un nouvel. Alors. Est-ce que j'ai des bons trucs moi? Ah, ça. Ouais. Électricité, j'en ai point. Feu, ça pourrait aller, ouais. Il y a pas mal de trucs, non? Faut juste que je mette les bons trucs. C'est juste que ça, ça fait la déchirure émaniment. Malheureusement, mais ça fait aucun dégât. La déchirure, c'est pour enlever les composants des ennemis, leur armure, pour que je fasse plus mal. 30% de dégâts, je pense que c'est plus que ça. Plus que ça. Maniement. Bah, tiens, gel. J'ai pas de gel, j'ai que du feu. Déchirure, dégâts. On va mettre des gars. Hein. Et là. Je crois qu'on va le laisser pour quelque chose d'autre. Hein. C'est fou, fou. La vraie, si j'ai pas vraiment de bon truc. Non, on va pas. Ça m'a l'air aussi potable. Bon. Maintenant que ceci est fait. Ouais, c'est bon. Alors. Depuis toutes ces années, pourquoi épargne-t-il ceux qui asservissent, torturent et tuent? Eren, ta propre sœur, tuée. Et le roi, qui ne fait rien. Un mot de plus, espèce de sale bande de vipère. Et je te jette dans un cachot moi-même. Dégagez de là, ou je vous démonte tous un coup de pied. Dire à propos du meurtre d'Ersa. Ok. 14 minutes. Super. Ah, du coup, je l'ai pas amélioré mon arc.
Peut-être il a pas. Il a... Je sais pas, attends. Ah non, c'est bon. Bravo pour la finesse. Tu y es. Essaie de ne rien casser. À part la porte. Tous ces trucs pour un seul homme. Ah, bien les relations à la cour du roi Soleil. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à cacher, lui? Oh, il y a un truc qui... Le coin du tapis est à la voyance que ça cache. Qu'est-ce que ça fait là? La vraie question, c'est comment l'ouvrir. Sans la clé, impossible. Une trappe blindée de fabrication au sérum indestructible. C'est ce qu'on va voir. Ouais. Bon. Il faut monter, non? On peut monter? Ouais, on peut monter. Putain, il faut voir ce qu'il y a dedans quand même. Faut monter encore. Putain, elle est grande sa maison, comment il fait pour sa manoir son truc. Alors, bon, voilà. Ça, c'est fait. Donc, alors. Olin tenait un journal. Olin? Je crois qu'il sait lire des contrats, mais je n'aurais jamais vu écrivain. Il n'y a plus de doute. Olin savait que j'étais visée. Une carte. Les glyphes indiquent les lieux où il est allé. Putain, il a fait sa propre carte, quoi. Pas mal. Bah voilà, j'ai tout fouillé, il n'y a plus vraiment grand chose. Bon. Tiens, ta preuve. Lis la dernière page. Il parle de sa rencontre avec moi et de l'ordre de me tuer. Et il se disait mon ami. Sale petit traître. T'as appris à lire les glyphes. Et ces trucs que tu vois, comment tu fais? Là. Le focus, il montre l'invisible. Et celui de Lynn, c'est pareil. L'appareil est le même, mais d'une manière ou d'une autre, Olin et les tueurs peuvent se parler à distance, via leur focus respectif. Et ils voient aussi ce que leur focus voit, comme s'ils partageaient les mêmes yeux. C'est comme ça que les tueurs t'ont vu. Par Olin. Oui, enfin, c'est ce que j'ai compris. Maintenant que je sais où trouver Olin, il faut que je parte. Seul? Où? Je me débrouillerai. Je vais plus vite seul. Attends. Si ton appareil te montre l'invisible... Laisse-moi passer, Eren. Je te demande de m'aider, Aloy. Je dois savoir qui a tué Ersa. Je ne parle pas de l'armée des gardiens de l'ombre. Ça, je le sais. Mais je veux savoir qui exactement. Je suis désolée pour ta sœur. Mais c'est ton combat, pas le mien. Fais pas comme si ça t'était égal. Si t'es là, c'est parce que tu cherches ceux qui t'ont presque tué, qui ont massacré ton peuple. Pourquoi tu obtiendrais justice, et pas moi? Écoute, je vais aller au col de la Crête Rouge, où on a retrouvé le corps d'Ersa. Je t'y attendrai.
Quelques minutes de focus, c'est tout ce que je veux. Je t'en supplie. Le col de la crête rouge? Je vais voir ce que je peux faire. Je sais pas si c'est une mission secondaire ou une mission principale, mais attends, je vais voir. Hein. C'est une mission principale, bah on la fera. Ouais, c'est la mission principale, ok. Et les vengeances, nettoyer les camps, ok. Mission principale. On verra ça plus tard. Mission principale, parce que des fois il y en a beaucoup, on sait plus où on est. Donc, quelle est tâche? Oulala, plein de tâches. Qui perd 4% et les trouver l'âne de une forge de face. Ça, c'est les tâches. Gratte à la fêlée. Là, une armure protectrice et une armure chasseuse discrète. Donc, il y en a pas mal de choses à faire, mais on fera ça dans une prochaine vidéo. Hein. Tout ça. Bien, tout ça, on fera ça. Près du camp de soif de démon, on le fera aussi à Nil. Nil, il s'appelle Nil. Les zones corrompues, on les fera aussi. Hein. Les zones de chasse, pardon, c'est les zones de chasse. Hein. Les creusets, il n'y en a qu'un. Il y en a 5 en tout. Et là. Zone corrompue, on n'a pas encore découvert parce qu'il y en a encore plein. Les camps de mandis, l'armure quantique, alors ça j'ai voulu découvrir à la fin de cette gros épisode de ce jeu. À la fin, quand je dis la fin, c'est la fin. Comme ça vous serez au courant, comme ça que c'est la fin. Et bah voilà. Prochaine vidéo, bah je sais pas en fait. Je sais pas ce qu'on fera, mission secondaire, mission annexe. Moi j'aurais dit mission secondaire. Tout ça là, ça pose problème, ça peut rapporter gros en plus. Tu vois, 1000 XP, 1670 XP. Ah, 3. Oh, putain. 3750. Voilà quoi, ça rapporte énormément d'XP quoi. 1000, tu vois, ça rapportait énorme. Bon, là par contre, là ça rapportait vachement énorme puisque c'est une compense qui est niveau 25. Alors là, je peux vous le dire que ça fait mal. Bon, de toute façon, dès qu'on fera une quête secondaire, ça rapporte gros dès que tu avances dans le jeu et tu parles aux gens, mais c'est difficile quand même des fois quand tu n'y es pas préparé. C'est pour ça que j'ai un arc légendaire et qu'on a tout le matériel pour l'avoir. Tous les composants. Bon, il reste plus que 5 minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire en 5 minutes? Dites-moi. Déjà, on va réparer nos flèches, machin, là, pour qu'il fasse plus. Pourquoi on en a plus? Donc, fouiller, machin, en ligne, c'est de... Il y a beaucoup de scouts secondaires donc ici à Méridion. Là j'en ai oublié une là. On les fera toutes si ça vous ennuie pas, ou peut-être que je les ferai hors vidéo, je sais pas. Une étrangère. Une Nora apparemment. Je parie que tu chasses la machine, toi. Ça m'est arrivé, oui. Bon, si je peux te donner un conseil, oublie le pavillon des chasseurs. Si tu n'es pas Karja, tu n'iras pas bien. Bon. Tu veux dire qu'il faut être Karja pour être membre du pavillon? Non, ils acceptent tout le monde. Mais leur loi empêche les étrangers de grimper les échelons. Quand Avad est devenu roi soleil, il a fait une promesse. Méridian allait s'ouvrir, mais c'est du vent. Oui, on peut assister au festin, mais on n'a pas le droit de manger. C'est quoi le problème du pavillon, juste? Rien, si l'intolérance ne te gêne pas. Chez moi, à Banour, j'étais un chasseur talentueux. Alors j'ai tenté ma chance au pavillon. Je pensais que ce serait simple, on chasse, on grimpe, on se compare. Mais ça ne se passe pas comme ça du tout. Tout est fait pour que seuls les Karja restent en haut de l'échelle. J'ai pas besoin de l'approbation de ces prétentieux. Je rentre chez moi. Ça serait bien que quelqu'un ait leur secoué les puces au pavillon. Peut-être. Mais en tout cas, ce sera pas moi. Si tu décides d'y aller,
Je veux bien que tu leur fasses un petit cadeau d'adieu façon Banouk de ma part. Un cadeau d'adieu façon Banouk ? Quel genre ? Tu pisses par terre. De préférence à un endroit où ils verront rien avant que ça commence à puer. D'accord, ouais, il est dégueulasse. 5 minutes, donc on va faire discuter un peu avec des gens et leur régler leurs problèmes plus tard. Voilà. L'avant-garde n'arrête pas de chanter tes louanges. Tu es la Nora qui traque les criminels avec son troisième œil. Et si tu l'utilisais pour m'aider, un cambrioleur est entré chez moi et a volé l'épée de mon frère. Racontez-moi tout ça. Je sais, en faisant des quêtes. Il n'a pris que l'épée. Mon bien le plus précieux. Il s'est enfui par la fenêtre sous les yeux de mon intendant terrifié. Mais sinon, son plan est en marche. Pourquoi quelqu'un voudrait voler cette épée ? Pour sa valeur. Elle est faite dans le bois poli d'une corne filante, incrustée tout du long de pierres précieuses jusqu'à... C'est bon, j'ai compris. Pardonnez-moi, mon roi l'a offerte à mon frère pour le remercier de sa loyauté. Il a été tué en combat pendant la libération. Je la gardais pour mon neveu, qui est bloqué à Brunante avec les Karjab. Que fait votre neveu à Brunante ? La plupart des anciens prêtres soutenaient le roi Soleil. À sa chute, ils ont fui par peur de représailles. En tant que garde d'honneur de l'un d'entre eux, mon neveu a été maintenant que mon frère est mort, c'est lui qui l'héritier. Cette épée lui revient bien. Après tout ce qu'il a enduré, je ne pourrais pas... Et bam. Il a bougé. Je vais voir si je peux faire quelque chose. N'hésite pas à aller voir moi. Il a vu le voleur s'enfuir. Il a peur. Tout ce qui m'importe, c'est cette épée. Méridian, autant que ma famille d'ailleurs, a vu suffisamment de violence. Oh là là. C'est bon. Alors, en 5 minutes, qu'est-ce qu'on a fait ? Purée. Elle est immense. Ah bon ? Elle est où ? Tu la vois pas, moi ? Tu la vois, toi ? Bon. Il y a d'autres quêtes à voir. Je tourne en rond depuis tout à l'heure, c'est chiant, je sais. De toute façon, les quêtes principales sont... peuvent pas être ratées, quoi. C'est impossible, il est obligé d'attendre. Obligé de tendre une nouvelle, sinon ça peut pas. Voilà l'étranger, je suis Vilkund. Vous avez envie de chercher du travail ? Ah, des éclats, assez pour t'acheter une tenue plus adaptée. Ok, arrête là si tu veux que je te porte. Je voulais dire qu'une jolie femme aussi bien faite que toi. J'ai entendu une rumeur à propos d'un camp de Banouk. Des machines dociles, on y trouverait. Alors j'ai payé des hommes pour enquêter. Juste enquêter, c'est tout. Ces Banouk sont rusés. Trop rusés. J'ai payé d'avance. Enfin, la moitié. Je n'ai pas de nouvelles depuis. Donc tu veux payer quelqu'un pour retrouver ceux que tu as payés. Ah, ils doivent être morts. Ce qui m'intéresse, c'est la rumeur. Tu peux m'en dire plus sur la rumeur au sujet du camp ? Ah, le dernier groupe n'avait que la récompense à la bouche. Toi, tu es une maligne. Ce camp est si petit qu'il n'a pas de nom. La neige ne fond jamais. On dit que les Banouk qui vivent en paix avec les machines. Le calme, ça brasse, ça garde, ça patte. Si c'est vrai... découvre comment ils font, imagine la valeur que ça aurait pour toutes les tribus. Quand tu parles de valeur, tu veux dire qu'ils te paieraient. Ah, oui, je ne suis qu'un homme. Tu peux me parler un peu des Banouk ? Les femmes Banouk, ce sont des sorcières.
des yeux. Ils ont choisi de vivre là-haut, à Banu, dans la glace. Essayer de parler avec eux, c'est comme essayer de tailler un glacier. Me faire la compagnie des machines. C'est pour ça que je mise mes éclats sur cette rumeur. Ils n'ont peut-être pas envie que des étrangers soient au courant. Ah ! Leur truc mystique, le refus des biens matériels du luxe, c'est des foutaises. En affaire, ces gens sont plus durs que leur hiver. Mmh. Tu es un genre de marchand ? Je ne vois pas de marchandises. Je suis plus un explorateur. Mais tu envoies les autres explorer pour toi. Très bien. Disons un opportuniste. Petite, jeune Nora, chasseuse. Nous vivons dans un monde d'opportunités. Des opportunités risquées. Mais pourquoi le danger empêcherait les gens comme moi d'atteindre un objectif lucratif ? Très bien. Disons que je fais des paris. Si je m'intéressais à cette rumeur... Tu n'aurais pas besoin d'aller grimper sur les épaules du monde. C'est à la limite des terres panouques, sous l'enclume de la lune. Et j'ai l'impression que t'as l'habitude de te promener dans l'Est sauvage. Enfin, l'Est. S'ils vivent réellement parmi les machines sans les craindre dans ce camp, eh bien... Tu ne peux pas rater ça, pas vrai? Je paie au retour. Ok, ok. C'est là-dessus, on va finir sur un beau feu de camp. Même si on a déjà dépassé l'heure, je vois là. Il y a un feu de camp pas loin, il est là. Allez, on y va. Bon bah, c'était bien cet épisode de quête pour parler aux gens et faire la quête. Hein. Je sais. Je sais que c'est un peu long. Bon, ça bug un peu, hein. Waouh. Voilà. J'espère que j'ai rien raté, hein. Quand même. Non, j'ai un pas de compétence, je peux rien faire. Bon, c'est tout pour cette vidéo et on parlera aux gens plus tard. Je sais pas quand, mais on verra ça plus tard. C'est tout pour cette vidéo, moi je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.